Voilà, donc on est de retour ici à Estadio Azteca pour suivre la deuxième mi-temps entre New York City et le Paris Saint-Germain. Et déjà un premier changement côté parisien, Sergio Rico est rentré à la place de Keylor Navas. Sergio Rico justement qui touche son premier ballon. Donc je rappelle qu'il y a un but à zéro pour les Parisiens grâce à Moïse Kean. À Guadalajara, un but à zéro pour Manchester City face à l'Inter de Milan grâce à Kevin De Bruyne. À Mexico, 1 à 1 entre Liverpool et Los Angeles Galaxy. But de Cristiano Ronaldo pour Los Angeles contre un but de Shaqiri pour Liverpool. Moïse, oh c'est super ça. Oh, penalty, penalty pour les Parisiens pour cette faute de ligne sur Moïse. Penalty pour les Parisiens à la 50e minute. Faute grossière de ligne avec au départ un superbe passement de jambe de Moïse et contact de ligne sur Moïse. Ça sera penalty pour les Parisiens. Ça fera Kylian Mbappé qui va tirer le pénalty. Kylian Mbappé qui a la balle de 2-0. Mbappé, et voilà. Et voilà, 2-0 pour le Paris Saint-Germain grâce à Kylian Mbappé. But de Kylian Mbappé qui transforme donc son pénalty. 2-0 pour les Parisiens. Et on voit dans ce pénalty que le ballon est passé juste à quelques centimètres du gardien qui n'a pas pu la repousser, quasiment planade. Mais en tout cas, ça fait désormais 2 buts pour les Parisiens, 2-0. Deuxième but est signé Kylian Mbappé. Et il y a un deuxième but à Guadalajara signé Manchester City. Et encore une fois, Thierry De Bruyne a créé un doublé, 2-0. Pour Manchester City, but de De Bruyne. Moïse Kean. Moïse Kean toujours. Moïse Kean. Il fait un très beau match, hein, le joueur italien Moïse Kean. Rafinha. Moïse Kean. Moïse Kean. Frappe de Moïse Kean a été bien arrêté par Johnson. Corner pour les Parisiens. Superbe action de Moïse Kean. Et Keaton va sortir. Et ce sera le numéro 16 qui va rentrer du côté de New York City. Alors on va voir qui est le numéro 16. C'est Thanos. Thanos qui est rentré. Et ce coup de tête qui n'est pas passé vers moi. Mais ça sera une bonne touche pour le Paris Saint-Germain. Xavi Simons. Bien joué Xavi Simons. Il calme un peu le jeu avec Abdou Diallo pour l'entaculer à Mbappé mais qui perd la balle. Castellanos. Thanos. Qui touche son premier ballon. Tête de Marquinhos. Bien joué le sombrero de Pembele. Moïse Kean. Pembele pour Sarabia. Sarabia. Avantage laissé par l'arbitre. Et finalement l'arbitre va revenir à la faute. Ça sera beaucoup franc pour le Paris Saint-Germain, même si c'est un peu lointain. Et un deuxième but à Mexico. Le deuxième but est inscrit par Mohamed Salah. 2-1 pour Liverpool face à Los Angeles. Simons qui évite attaque. La frappe de Xavi Simons qui passe à côté. Ah, il s'est créé au moins 3 ou 4 occasions de Xavi Simons. Mais franchement, ce jeune néerlandais fait vraiment un très beau match. Et d'affilée un troisième but de Liverpool, encore une fois. Shaqiri, doublé donc pour Shaqiri, 3-1 pour Liverpool. Moïse Kean, Rafinha. Vigne, bien joué Xavi Simons. Pour Moïse Kean qui perd la balle. Morales. Mackay Steven. Pembele qui rate son tacle. Marquinhos aussi, attention. Et attention.
Il y avait la défense parisienne. Donc on est à la 71e minute, 2 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain contre New York à Aztec. À Guadalajara, 2 buts à 0 pour un match sorti face à l'Inter. Et à Mexico, 3-1 pour Liverpool face à Los Angeles. Mbappé, il a du champ. Il a du champ, tu Mbappé, il peut tirer. Voilà, troisième but. Le troisième but, il est là. Le troisième but est doublé de Kylian Mbappé. 3 buts à 0 donc pour le Paris Saint-Germain. Pour l'instant, le Paris Saint-Germain conforte la première place. Et donc, pour l'instant, le FC Barcelone est deuxième. Car on sait que Barça, ils ont inscrit 4 buts. Mais comme ils ont pris un but et que pour l'instant, Paris n'a pas pris de but. Du coup, pour l'instant, le Paris Saint-Germain est en tête. Mais de toute façon, à la fin du match, on fera un point sur le classement et la suite de ce tournoi. En tout cas, ça fait 2 buts pour Kylian Mbappé, 3 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain. Castellanos. Il y avait Xavi Simons, ballon perdu. Sanos. Castellanos. Pour Kurzawa. Fico qui va la dégager loin devant. Ça prend une touche pour New York. Et deuxième changement pour New York. Sirhadi va rentrer. Morales pour Castellanos. Pour attention. Et hors-jeu. C'est une occasion pour l'équipe de New York de sauver l'honneur. Si on sait qu'ils ont créé pas mal d'actions et d'occasions surtout. Et il y aura deux changements pour les Parisiens. Neymar et Draxler vont rentrer à la place de Sarabia et Moïskine pour les 10 dernières minutes. Donc ça fait que Neymar est placé à gauche et Mbappé à droite. Neymar, Draxler. Pas faute, dit l'arbitre. Et un quatrième but pour Liverpool. 4 buts à 1 pour Liverpool grâce à Matip, le défenseur. Et ça fait donc 4 buts à 1 pour Liverpool face à Los Angeles Galaxy. Et donc pour l'instant dans le top 3, on a le Paris Saint-Germain, Liverpool et le FC Barcelone. Draxler. Daniel Pereira pour Neymar. Neymar est à 0. 4-0, but de Neymar. 4 buts à 0. Il y a à peine de rentrer. Et elle ajoute un quatrième but pour les Parisiens. Ça fait donc 4 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain face à New York. Et là, on peut dire que Paris est prêt et pour l'instant en tête de ce tournoi. On revoit super accélération de Neymar qui conclut à la finition pour la mettre la balle dans les filets. Ça fait donc 4 buts à 0 pour le Paris Saint-Germain. On joue la 88e minute. À Guadalajara, 2 buts à 0 toujours pour Manchester City face à l'Inter. Et à Mexico, 4 buts à 1 pour Liverpool face à Los Angeles Galaxy. En tout cas, c'est gagé de la parole de Neymar. Il rentre, il marque 4-0 par les Parisiens. 4 minutes de temps additionnel. Alors que c'est fini à Guadalajara, Manchester City qui s'impose 2-0 face à l'Inter de Milan. Allez, il y a la réaction pour Kylian Mbappé. Passif hors-jeu. Et c'est fini, Paris s'impose 4-0 face à New York City. Et c'est également terminé à Mexico, donc 4 buts à 1 pour Liverpool face à Los Angeles Galaxy. On va tout de suite voir le classement de ce tournoi.
Il y a donc 6 équipes qui ont remporté leur premier match. Donc il y a le FC Barcelone, la Juventus, le Bayern de Munich, Liverpool, Manchester City et le Paris Saint-Germain. Ces 6 équipes ont 3 points chacun, mais avec les différences de but, le Paris Saint-Germain est premier, Liverpool et le FC Barcelone se partagent la deuxième place. À la quatrième place, le Bayern de Munich et Manchester City se partagent et la Juventus prend la sixième place. Et dans le bas du classement, Milan AC est 7e, le Real de Madrid et l'Inter de Milan se partagent la 8e place, les Tigres et Los Angeles Galaxy se partagent la 10e place et New York City, bon dernier. Donc voilà, vous avez eu le classement de cette première partie de ce tournoi amical. Je vous rappelle qu'il n'y a que 3 parties avec ce nouvel règlement qui a été enregistré depuis 2019. Donc ça veut dire que chaque équipe doit chacun jouer 3 matchs au lieu de plusieurs rencontres. Donc c'est 3 matchs pour chacun comme vous avez pu le constater. Donc on a eu un très bon match entre New York et le Paris Saint-Germain. Ça a été une très très belle rencontre. On va se retrouver donc très prochainement pour le début de la deuxième partie qui va démarrer avec le match Liverpool-Inter 2001. Ça sera un très beau choc, dans lequel, en même temps, nous allons suivre deux autres rencontres, New York City, Milan AC, Manchester City, FC Barcelone, et ces 3 rencontres se dérouleront au Canada. Donc on a été ravis de vous suivre le match New York City-Paris Saint-Germain en direct de Mexique, dans ce superbe stade des Stadio Azteca. On va se retrouver donc au Canada pour le match Liverpool-Inter de Milan, avec aussi en duplex New York City, Milan AC, et puis Manchester City, FC Barcelone. Passez à tous et à toutes de très belles soirées. Au revoir.